N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, merci. Que les États-Unis, depuis plus d'une trentaine d'années, ont essayé de grignoter l'influence russe par des révolutions dites démocratiques, des révolutions de couleur. Serbie, octobre 2001, après 12 ans d'un règne sans partage, Slobodan Milosevic est renversé par une révolution de velours. Géorgie, novembre 2003, Édouard Chevernadze est chassé par la révolution des roses. Ukraine, décembre 2004, la révolution orange porte au pouvoir Viktor Yushchenko. Kirghizistan, mars 2005, c'est la révolution des tulipes qui triomphe. Quatre révolutions non violentes, quatre régimes autoritaires reliques de la toute-puissance soviétique, jetés aux oubliettes de l'histoire en quelques semaines. Et à chaque fois le même scénario, des élections truquées, un pouvoir qui se crispe, puis cède devant des manifestations qui emportent tout sur leur passage. Depuis 5 ans, rien n'arrête ce vent de liberté qui balaye un à un les anciens satellites de Moscou. Une aubaine pour George Bush. We have lit a fire as well. A fire in the minds of men. It warms those who feel its power. It burns those who fight its progress. And one day, this untamed fire of freedom will reach the darkest corners of our world. Une contagion révolutionnaire qui, un à un, retourne des régimes longtemps favorables à Moscou et qui commence sérieusement à irriter Vladimir Poutine, le maître du Kremlin. Самое опасное, знаете, создание системы перманентных революций, то розовых, то каких-то там голубых еще придумают. Вот жить нужно привыкнуть по закону. Un conseiller de la Maison Blanche pour les pays de l'Est. Ces révolutions, c'est une vague. Qu'il s'appelle Poutine ou Loukachenko, le président biélorusse, eh bien cette vague, c'est comme un tsunami qui va les repousser aux oubliettes de l'histoire. Dernière photo souvenir avant l'arrivée du président américain. Demain, ils auront tous le privilège d'un entretien privé. On va dire à George Bush qu'il faut qu'il nous utilise pour aller démocratiser toute l'ex-URSS. La Biélorussie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Kyrgyzstan et bien sûr la Russie. C'est une chance unique de faire triompher la grande démocratie mondiale. Et on va le faire. Je vous rappelle cette conférence de George Friedman aux États-Unis en 2015. No place is really Pacific for very long. I mean, neither the United States, we have constant wars, okay? Europe will, I suspect, not return to the 31 years, but it will return to humanity. They will have their wars, they will have their peace, they will live their lives. It will not be 100 million dead, but the idea of the European exceptionalism, I think, is the one suffering the first death. There will be conflict. There was conflict in Yugoslavia, and there is certainly conflict now in Ukraine. As to the relationship to the United States, we no longer have a relationship with Europe. We have a relationship with Romania, we have a relationship with France. There is no Europe. What you do, if you're a Ukrainian, is essentially reach out to the only country that will help you, which is the United States. Last week, 10 days ago, General Hodges, commander of U.S. Army Europe, visited Ukraine. He announced that U.S. trainers would now officially be coming, not just unofficially coming. He actually pinned medals on Ukrainian fighters, which by protocol of the military is not the way. Foreigners don't get to pin on, you know, medals. But he did, showing that this was his army. He then left, and in the Baltics announced that the United States would be pre-positioning armor, artillery, and other equipment in the Baltics, Poland, Romania, and Bulgaria, which is a very interesting point. So the United States, and now to yesterday, the United States announced that it would be sending weapons. Tonight, of course, they denied it, but they are. The weapons will go. In all of this, the United States has acted outside the context of NATO.
Because NATO has to have a 100% vote. Any one country can veto anything. And the Turks will veto it just for giggles. The point is that the United States is prepared to create a cordon sanitaire around Russia. Russia knows it. Russia believes that the United States intends to break the Russian Federation. I think that, as Peter Lorre put it, we don't want to kill you, we just want to hurt you a little bit. Either way, we are back at the old game. And if you go ask a Pole or a Hungarian or a Romanian, they live in a totally different universe from a German. And they live in a totally different universe from a Spaniard. So there is no commonality in Europe. But if I were a Ukrainian, I would do exactly what they're doing. Try to draw the Americans in. Nos dirigeants au G7 ont décidé d'aller de l'avant. Mais ils ne se rendent pas compte, ils ne se rendent pas compte que l'Occident, tel qu'il le voit, ne rallie plus beaucoup de monde, que les vertus dites démocratiques de nos pays, sont de plus en plus contestées, sont de plus en plus délaissées, car nous en avons abusé pour défaire des gouvernants qui étaient en place et qui étaient démocratiquement élus, que nous avons prétexté, amené la démocratie pour asseoir des régimes qui nous étaient favorables, qui ont apporté à leur pays que le désastre ou la guerre civile. Alors encore une fois, je vais tirer la sonnette d'alarme parce que hier, à Hiroshima, au Japon, M. Biden a accepté de livrer à l'Ukraine des F-16, ces avions bombardiers F-16. L'Américain Joe Biden est allé beaucoup plus loin sur la livraison d'avions de guerre aux Ukrainiens. Bonsoir Camille Gutin, vous êtes en direct de Washington. Camille, tout ça est enrobé d'un langage très diplomatique, mais est-ce qu'on a raison de comprendre ce soir que les Américains sont désormais OK pour la livraison d'appareils à l'Ukraine ? Ah oui, Thomas, c'est totalement ce qu'il faut comprendre en filigrane, puisque Joe Biden discutait avec ses homologues concernant la formation des pilotes ukrainiens sur des avions de combat, et il a dit, eh bien, ce seront les États-Unis qui décideront quand ces avions seront livrés, et le quand qui change tout, puisqu'il dit bien quand ils seront livrés, non pas si ils seront livrés. Jusqu'à présent, Joe Biden se refusait à la livraison de F-16 aux Ukrainiens. C'était une ligne rouge à ne pas franchir. Il semblerait qu'il y ait eu une pression extrêmement forte de la part de Zelensky et des alliés européens pour avoir l'accord de Joe Biden. Jusqu'à présent, Joe Biden ne voulait pas cette livraison d'avions parce qu'il avait peur que ça puisse permettre de frapper directement le territoire russe. Alors ces F-16, bien sûr, ils vont servir à combattre en Ukraine, mais pas seulement, évidemment. Pas seulement. Ils vont également servir à bombarder la Russie et les approvisionnements en armes et en munitions qui vont de Russie à l'Ukraine, évidemment. Et peut-être même, comme l'Ukraine a dû déjà le faire, bombarder le Kremlin. Et croit-on vraiment que Vladimir Poutine ne va pas riposter ? Croit-on vraiment que les choses sont figées? Alors pourquoi cette escalade? Mais parce que on voit bien que l'on ne peut gagner la guerre en Ukraine actuellement. Nous allons petit à petit vers une guerre mondiale. Alors pourquoi cet entêtement de la part de Joe Biden? Parce que l'Amérique ne veut pas céder sa première place sur l'échiquier mondial. Bon, passons à la rue de presse, et à la fin de la vidéo, je ferai, comme d'habitude, mes conseils de lecture et de visionnage. Présidé par le Premier ministre japonais Fumio Kishida, le G7 a entamé des discussions de 3 jours à Hiroshima. Les dirigeants du G7 ont commencé la matinée par une visite du musée du mémorial de la paix d'Hiroshima. Peu après, les dirigeants se sont penchés sur un certain nombre de questions, notamment l'économie mondiale, les risques financiers, le conflit ukrainien et la technologie numérique, au cours d'un déjeuner de travail.
La question de l'augmentation des risques financiers et de la stabilité économique mondiale a pris le dessus. Je voudrais confirmer l'unité inébranlable du G7 à travers les discussions franches de ces trois jours et ensemble, depuis Hiroshima, transmettre avec force notre détermination résolue à résoudre les différents problèmes auxquels la communauté internationale est confrontée. La sécurité à Hiroshima n'a jamais été aussi stricte, avec plus de 24 000 policiers mobilisés dans la ville. Cependant, cela n'a pas empêché un groupe d'activistes japonais et internationaux de protester contre le sommet du groupe des 7 et la guerre nucléaire. Marchant dans le centre d'Hiroshima, les militants ont scandé « pas de G7, pas de sommet impérialiste, pas de guerre nucléaire ». Ils ont exprimé leur colère face à la présence de dirigeants de puissance nucléaire dans une ville qui a été dévastée par la bombe atomique. Les manifestants ont également accusé certains pays du G7 d'attiser les tensions régionales avec la Chine, la Russie et la RPDC. L'ordre du jour du G7 est totalement favorable à la guerre. Les réunions ministérielles qui ont eu lieu tout au long des derniers mois ont commencé chaque déclaration par la première phrase disant que nous condamnons la guerre de la Russie en Ukraine, mais ils ne parlent jamais des guerres sans fin dans lesquelles les États-Unis et d'autres partenaires du G7 ont été impliqués. Les activistes ont déclaré qu'il était hypocrite de condamner le conflit ukrainien alors que les pays du G7 fournissent des armes pour poursuivre la guerre. Les dirigeants de 8 autres pays n'appartenant pas au bloc ont été également invités à Hiroshima. Ils ont rejoint les dirigeants du G7 pour discuter du climat, de l'alimentation et d'autres questions mondiales. Et effectivement, sur l'Ukraine, vos réflexions n'étaient pas faciles à développer parce qu'il y avait vraiment un carcan médiatique. L'affaire de l'Ukraine, on ne peut comprendre l'Europe face à l'Ukraine, on ne peut pas la comprendre si on oublie la pression américaine, il n'y a pas d'autre terme, hein, la pression américaine s'est exercée sur l'Europe pour l'amener à penser la même chose que les États-Unis, avec des buts qui étaient très clairs. Hein. C'était de ressouder l'OTAN, de faire que l'OTAN se mobilise pour soutenir l'Ukraine. Il y avait toute une série de principes et d'obligations qui ont été mises en œuvre. Et effectivement, c'était très difficile de l'expliquer parce qu'en face, il y avait des gens qui étaient des champions de la manipulation, avec raison d'ailleurs, ils faisaient de l'influence, comme on dit. Et l'influence, c'était, en jouant sur l'émotionnel, d'amener les Européens à se rallier aux Américains dans ce conflit lancé par la Russie, mais dans lequel les choses étaient beaucoup plus complexes que ce qu'on voulait nous raconter. Alors aujourd'hui, c'est passionnant, parce que je ne sais pas si vous avez vu ce qui vient de se passer il y a peu de temps maintenant, aux États-Unis, c'est-à-dire une fuite colossale venant du Pentagone de documents secrets qui montrent le dessous des cartes en Ukraine. Et alors là, c'est très intéressant parce que, là encore, comme ça gêne beaucoup de monde, hein, les journaux, la télévision en France en particulier, elle est un peu gênée de devoir dire des choses qui ne sont pas exactement ce qu'on avait pu raconter avant. Alors, du même coup, on n'en parle pas. Ça, c'est le principe français. Hein, on fait la politique de l'autruche, on met la tête dans la terre et on attend que ça se passe. Pourtant, aux États-Unis, tout le monde en parle. Pourquoi ? Parce que c'est une vraie fuite de documents secrets. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors on a essayé, certains en particulier ont commencé à dire « mais non, c'est les Russes ». Non, ce n'est pas les Russes. Hein. C'est évident que c'est sorti du Pentagone. Et là, on peut se poser la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui dans cette affaire, qui est une des plus grandes affaires de sortie de documents secrets depuis l'affaire Snowden. Hein. Le Washington Post a publié un certain nombre d'informations et d'images, les fameuses photos de ces documents qui sont sortis et qui révèlent des choses étonnantes. Vous voyez, par exemple, je me souviens, parce que en France, des gens qui ont été dans l'OTAN et qui connaissent très très bien le problème, comme le général Paloméros, par exemple, qui était le patron de la restructuration de l'OTAN pour le compte de la France, hein, qui a commandé l'armée de l'air française. Et qui disait, attention, par exemple, il disait, il y a quelque temps, il disait, faites très attention parce que la capacité de lutte anti-aérienne
donc contre les missiles et les drones ukrainiens, est en train d'arriver à la limite. Quand il a dit ça, personne ne l'écoutait beaucoup. Et puis là, on s'aperçoit que les Américains, dans ces documents secrets, disent « Attention, ça peut les Ukrainiens peuvent s'effondrer sur le plan de la défense antiaérienne dans les semaines qui viennent. » Et si c'est vrai, ben ça donne évidemment un pouvoir absolu à l'armée de l'air russe. Ça change les règles du jeu. C'est la rencontre du G7 qui s'amorce à Hiroshima, au Japon. Catherine, d'entrée de jeu, les leaders réitèrent leur appui à l'Ukraine. Oui, absolument. Ils ont annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie pour autant que possible limiter le développement de technologies et d'armements militaires du côté des Russes. Joe Biden a aussi donné le feu vert à la livraison d'avions de chasse parce que c'est les États-Unis là, qui coordonnent là, l'aide à l'Ukraine pour l'offensive. Donc déjà quelques annonces comme ça qui ont été faites dans le cadre du G7. Il sera évidemment question en fin de semaine de d'autres sujets comme l'intelligence artificielle, l'énergie, le climat et l'économie. Je vous invite à écouter le président du Conseil européen. We are now focused on shutting the door on loopholes and continuing to cut Russia off from critical supplies. We will restrict trade in Russian diamonds. Russian diamonds are not forever. And we lay out openly and frankly why these sanctions are necessary and justified. Avant le sommet du G7, la Chine a publié un rapport intitulé « La diplomatie coercitive de l'Amérique et ses méfaits ». Le rapport examine certaines actions de la diplomatie américaine reflétant l'hégémonie et l'intimidation, ainsi que les dommages qu'elle entraîne. Le rapport indique que les pays en développement font partie des zones les plus touchées par la diplomatie coercitive des États-Unis, en citant notamment Cuba, le Venezuela, la RPDC et l'Iran. Le rapport indique que les alliés des États-Unis n'ont pas été épargnés non plus. En janvier 2021, les États-Unis ont imposé des droits de douane allant jusqu'à 15% sur les importations en provenance de France et d'Allemagne, y compris des pièces d'avion, pour une valeur totale de 7,5 milliards de dollars. Le rapport indique que l'hégémonie de dollars américains sert de base à la coercition économique des États-Unis. En tant que monnaie de règlement international, le dollar américain représente la majorité des échanges et des investissements mondiaux, ce qui permet aux États-Unis de répercuter leurs problèmes économiques nationaux sur d'autres pays par le biais de l'exportation de l'inflation et des déficits commerciaux. Le rapport indique que les États-Unis se sont également ingérés dans les affaires intérieures d'autres pays en soutenant des guerres par procuration et en incitant à des guerres civiles, notamment la doctrine néo-Monroe en Amérique latine, les révolutions de couleur en Eurasie et les printemps arabes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L'arsenal militaire ukrainien, bientôt renforcé par des avions de combat F-16, dernière déclaration de Joe Biden au sommet du G7 qui se tient depuis vendredi à Hiroshima. C'est une aide de taille pour l'armée de l'air ukrainienne et une décision aussitôt saluée par ses homologues présents sur place, parmi eux le Premier ministre britannique. My message to Putin is straightforward and we're not going away. Russia has conducted an illegal, unprovoked act of aggression by invading Ukraine, and Russia needs to know that we and other countries remain steadfast in our resolve to support Ukraine. Une unité affichée au Japon qui n'a pas manqué de faire réagir Vladimir Poutine. Il dénonce une propagande anti-russe. Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию, на все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал экономический, военный, политический, информационный. Развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Les sanctions contre Moscou pleuvent. Parmi elles, des restrictions sur les importations de diamants russes prises par Bruxelles et Londres. Dans l'est de l'Ukraine, Bakhmout reste l'épicentre des combats. La bataille pour cette ville du Donbass est la plus sanglante et la plus longue depuis le début de l'invasion russe. Les forces russes contrôlent 90% de Bakhmout et continuent de progresser, mais jugent pour l'instant improbable une prise totale de la ville dans les prochains jours. C'est le chef du groupe paramilitaire russe Wagner qui l'affirme.
Par ailleurs, Kiev a de nouveau été la cible d'une attaque aérienne russe dans la nuit de vendredi à samedi. Les Ukrainiens demandent depuis des semaines la livraison d'avions de combat pour se défendre, notamment des F-16 de fabrication américaine. Joe Biden a finalement accepté. Il a levé son veto sur la fourniture par les alliés de ces avions à l'Ukraine. Mais il va falloir d'abord former les pilotes ukrainiens sur des sites européens et cela pourrait prendre des mois. Le Danemark notamment contribuera à leur préparation. En vérité, aujourd'hui, il y a un point de fixation, c'est Bakhmout. On va le voir avec deux mouvements, c'est-à-dire que les Russes continuent d'avancer à l'intérieur de la ville de Bakhmout, et de ce point de vue-là, ils ont pris un peu plus de 90% de la ville, peut-être entre 90 et 95. Et de l'autre, il y a les Ukrainiens qui contre-attaquent, on va dire, sur les flancs du dispositif russe autour de Bakhmout, et ils ont gagné quelques kilomètres carrés au nord et au sud de la ville. Donc il y a ces deux mouvements-là. En revanche, il y a une certitude, c'est que la contre-offensive ukrainienne n'a pas commencé, il n'y a pas de grande manœuvre à un endroit du front, puisque finalement, ce qui est complètement fou, c'est qu'une organisation à l'origine de mercenariat, mais qui n'était pas dimensionnée pour affronter pendant des mois et des mois une guerre de haute intensité, bah, se retrouve à jouer un rôle pour lequel elle n'a pas été pensée à l'origine. La bataille de Bakhmout, c'est tout petit sur la carte. On en reparlera tout à l'heure en parlant de l'ordre de bataille des deux côtés. C'est une bataille d'une très grande envergure et qui dure au moins depuis le mois d'août dernier. Donc aussi, Wagner, à l'origine, n'a pas été pensé pour ça. Oui, et puis la ville, en état tel, pourrait tomber côté russe, mais à quel prix la ville est absolument complètement rasée. Oui, là, il est quand même probable que la ville tombe dans les prochains jours. En fait, ce qui se passe là, on le voit sur la carte. D'ailleurs, là sur la carte, on voit à peine que les. Si on prend la partie vraiment la zone urbaine, là où on voit le quadrillage des rues, donc on voit bien les limites de la partie urbaine de la ville. On voit à peine que les Ukrainiens tiennent encore un tout petit bout de la ville. Alors, pour être très, très précis, c'est à l'ouest de la ville, c'est la partie en jaune. Et en fait, à cet endroit-là, il y a un point de fixation parce qu'il y a une zone avec des très grands immeubles, très hauts, très, 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 très lourds, avec beaucoup de béton. Et c'est là que sont retranchés les Ukrainiens. Et en fait, ce qui est très intéressant... Un autre exemple très intéressant, c'est que quand on voit, ils disent, ça on le sait, que les Russes n'arrivent pas à progresser beaucoup. Donc les Russes, ils sont en limite, comme on dit, de potentiel, ils n'y arrivent pas. Mais ils disent aussi que les contre-offensives ukrainiennes pourraient en définitive avoir exactement le même effet, compte tenu du manque de moyens humains, du manque de moyens techniques, du manque d'entraînement. Enfin, il y a plein de facteurs. Et que les Ukrainiens, la fameuse contre-attaque dont on nous parle régulièrement, en définitive, elle pourrait être quelque chose qui se diluerait très vite. Donc, tous ces documents définitifs nous montrent quoi ? Ben, ils nous montrent que ce que nous disons, nous, depuis déjà maintenant presque un an, hein, la seule vraie solution, c'est la négociation. La ville millénaire de Xi'an vient d'accueillir le président chinois Xi Jinping et ses homologues des 5 pays d'Asie centrale. Dans son discours d'ouverture, le président Xi a déclaré que la Chine et les pays d'Asie centrale devraient approfondir leur confiance mutuelle et se prêter mutuellement un soutien sans équivoque sur les questions concernant la souveraineté, l'indépendance, la dignité nationale et le développement à long terme. La sécurité étant l'une des priorités du sommet, le président Xi a appelé à construire ensemble une communauté à l'abri des conflits et bénéficiant de la paix durable. Il est important que nous agissions dans le cadre de l'initiative de sécurité mondiale et que nous restions fermes contre les tentatives des forces extérieures d'intervenir dans les affaires intérieures des pays de notre région ou de déclencher des révolutions de couleur. Nous devons maintenir une tolérance zéro à l'égard des trois forces que sont le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme, et nous efforcer de résoudre les problèmes de sécurité dans notre région. En 2022, le commerce bilatéral entre la Chine et l'Asie centrale a enregistré un record de 70 milliards de dollars. Pour stimuler plus fortement les échanges économiques, le président Xi
a indiqué que la Chine adopterait davantage de mesures de facilitation du commerce et optimiserait les accords d'investissement bilatéraux. Il s'est également engagé à renforcer la connectivité avec l'Asie centrale en améliorant les infrastructures transfrontalières telles que l'autoroute Chine-Kirghizistan-Ouzbékistan et l'autoroute Chine-Tadjikistan-Ouzbékistan. Les six nations ont par ailleurs condamné toute forme de terrorisme, de séparatisme et d'extrémisme et ont convenu de travailler avec la communauté internationale pour reconstruire l'Afghanistan. La Chine et ses partenaires d'Asie centrale ont en outre souligné que l'intégrité territoriale et la souveraineté ne devaient pas être violées. Le sommet avait donné un nouvel élan au développement et à la vitalité des six pays. Le sommet Chine-Asie centrale se tiendra tous les deux ans. La prochaine rencontre aura lieu au Kazakhstan en 2025. Unfortunately, there are some in the world and here among you who turn a blind eye to those cages and illegal annexations. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait les gros titres lorsqu'il a fait une apparition surprise au sommet de la Ligue arabe. Dans son discours d'ouverture, il a tenté d'obtenir un soutien pour le conflit de son pays avec la Russie en s'adressant aux dirigeants et aux musulmans. Un autre dirigeant a attiré l'attention, le président syrien Bachar al-Assad, qui a été invité pour la première fois en 11 ans. Il avait été suspendu en raison d'accusations de violation des droits de l'homme à l'encontre de son peuple. Il a profité de l'occasion pour s'en prendre à l'Occident, qu'il juge responsable de son quasi-isolement depuis une décennie. Nous avons l'occasion aujourd'hui de bénéficier d'une transformation internationale en un système multipolaire en raison de la domination occidentale dépourvue d'éthique, de principes ou d'amis et de partenaires. C'est une occasion historique de réorganiser nos affaires avec le moins d'ingérence étrangère possible. La présence d'Al-Assad a provoqué l'émir du Qatar, Tamim Al-Thani, qui a quitté les réunions à mi-parcours et dénoncé le retour d'Assad dans le giron arabe. Les dirigeants arabes ont ensuite commencé à discuter des différents conflits qui ravagent le Moyen-Orient. Dans leur déclaration, les dirigeants arabes ont insisté sur la nécessité de résoudre rapidement les crises au Yémen, en Libye, en Syrie et au Liban. Mais mettre fin à la guerre au Soudan a occupé le devant de la scène dans la déclaration de Jeddah issue du sommet. En ce qui concerne le Soudan, l'Arabie Saoudite et les États-Unis préparent les conditions d'un cessez-le-feu sur la base de la déclaration de Jeddah afin d'apporter une aide humanitaire au peuple soudanais. Nous espérons que l'accord de cessez-le-feu débouchera sur des pourparlers visant à trouver une solution permanente à ce conflit. Les dirigeants ont salué la réconciliation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sous l'égide de la Chine. Le sommet s'est achevé sur l'espoir que la résolution des différends permettrait de créer un front arabe uni face à la volatilité géopolitique mondiale. Le président syrien fait son grand retour sur la scène diplomatique arabe lors d'un sommet en Arabie Saoudite qui devrait également se pencher sur les conflits au Soudan et au Yémen. Arrivé jeudi dans la ville côtière de Jeddah, Bachar al-Assad participe à sa première réunion de la Ligue arabe depuis plus d'une décennie. L'organisation l'avait exclu fin 2011 avant de le réintégrer le 7 mai dernier. Il est possible d'avoir des relations bilatérales profondes qui vont au-delà des relations diplomatiques, qui vont au-delà des relations entre les fonctionnaires et même au-delà des relations entre deux présidents et qui atteignent le peuple dans tous les domaines économiques et plus important encore culturels et intellectuels afin de parvenir à une prise de conscience. À ce genre de rencontre, nous avons besoin d'une prise de conscience commune pour construire notre action. Le président syrien s'est entretenu vendredi à Jeddah avec son homologue tunisien Kais Saied dans le cadre d'une série de réunions bilatérales prévues en marge de ce sommet. Outre les conflits au Moyen-Orient, le 32e sommet de la Ligue arabe devrait aborder des sujets internationaux comme la guerre en Ukraine et la crise économique mondiale. Pourquoi Volodymyr Zelensky a-t-il été invité à ce sommet de la Ligue arabe ? D'abord, c'est une invitation
personnel du prince héritier, qui n'a pas été concerté avec les autres capitales arabes, qui ont été assez surprises et même troublées, comme en Algérie ou en Syrie. Pourquoi ? Parce que le prince héritier d'Arabie Saoudite veut faire de son pays un acteur majeur sur la scène régionale et internationale. Mais il traîne le boulet de cette affaire Khashoggi, ce journaliste saoudien assassiné dans des conditions barbares en Turquie, qui avait flétri l'image du pays et sa propre image. Donc, quoi de mieux ? Lors d'un sommet arabe, et d'ailleurs ces sommets arabes du point de vue médiatique n'intéressaient plus personne. Oui, mais là il y avait comme le retour de Bachar al-Assad. Mais bien sûr, de mieux, il y avait deux choses. Il y avait le retour de Bachar al-Assad, mais qui était déjà annoncé, ce n'était pas une surprise. En revanche, l'invitation de Zelensky est une surprise de dernier moment. Et là, c'est un message envoyé à l'opinion publique internationale qui soutient en tout cas les aspects légitimes de la crise ukrainienne et de l'Occident qui est totalement unis derrière Zelensky. Une cargaison de 65 000 tonnes de GNL a été déchargée mardi au terminal de GNL de Taprong, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, après un voyage de 26 jours depuis les Émirats arabes unis. Il s'agit de la première cargaison de GNL libellée en yuan, signée par la China National Offshore Oil Corporation. L'administration générale des douanes de Chine indique qu'en 2022, la Chine a importé plus de 500 millions de tonnes de pétrole brut et 100 millions de tonnes de gaz naturel, dont plus de 64 millions de tonnes de GNL. Et ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, c'est que le système d'exploitation du commerce international, et en particulier sur le pétrole, c'était le dollar. C'est-à-dire qu'on passait pour beaucoup, pour acheter du pétrole, on avait besoin du dollar, et puis quand la Corée faisait du commerce avec, je sais pas, avec le Taïwan ou avec n'importe qui d'autre, ils faisaient leur commerce en dollars aussi. Donc c'était le dollar qui était le système d'exploitation du commerce international, à la limite. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis une vingtaine d'années, les États-Unis ont décidé de mettre le dollar en situation d'économie de guerre, en quelque sorte. Ils ont cherché à profiter de leur puissance pour transformer ça en un instrument de puissance, alors que c'était un instrument économique. Donc le dollar n'est plus vraiment une réserve de valeur, on l'a vu, puisque l'inflation est très supérieure au taux d'intérêt. Le dollar reste un moyen d'échange pour l'instant, mais en même temps, avoir un étalon de valeur dans lequel il y a une inflation à 6 ou 7%, c'est moyen aussi. Donc c'est parce que ça... Et puis un moyen d'échange, on a vu pendant la crise de 2008, ils peuvent l'arrêter, ce moyen d'échange. Donc l'Asie avait souffert. Donc le monde s'est dit, bon alors si je comprends bien, en plus à cause des différents problèmes entre la Russie et l'Ukraine, ils ont piqué des réserves en dollars de la Russie. Donc d'un seul coup, les gens se sont dit, donc si j'ai des dollars, les Américains peuvent me les piquer où ils veulent, quand ils veulent. Et deuxièmement, si je suis un pays, ils m'interdisent le système de paiement international qui est SWIFT, et je me retrouve en culotte courte, moi j'ai plus rien, je suis cuit, quoi. Donc ce qui se passe, c'est que le système d'exploitation que tout le monde avait accepté sans trop réfléchir, parce que la plupart des gens réfléchissent pas trop, ils se disaient, bon c'est un truc qui marche, un truc qui est à peu près neutre, je fais ce que je veux de mes dollars, je suis tranquille, ils m'appartiennent. Mais maintenant, tout ça, c'est plus vrai. Et donc, ils se disent, il y a beaucoup de gens qui se disent, il faut monter un autre système d'exploitation. Ben oui. La Russie, la Chine, le Brésil, tout ça, c'est en train de réfléchir à ne plus utiliser le système d'exploitation, à passer de Microsoft à Apple, si j'ose dire. Oui. Mais encore faut-il inventer Apple. Et tu vois ce que je veux dire, c'est donc on est dans un moment de changement de système d'exploitation. Et c'est évidemment assez embêtant parce que la quasi-totalité des informations qu'on ramassait dans le monde sur le commerce international était en dollars et puis était juste parce qu'elle passait par le SWIFT, donc on mesurait, c'était facile, on savait ce qui se passait. À partir du moment où il y aura deux ou trois systèmes d'exploitation, mettons que maintenant la Chine et la Russie fassent du commerce dans leur monnaie respective ou j'en sais rien, ben on saura les résultats de ce commerce. S'ils veulent bien nous les donner. Oui, ben oui. Et donc, quelle confiance je vais avoir dans ces chiffres. Donc, ça veut dire qu'on rentre dans un monde qui devient beaucoup plus opaque à partir de ce moment-là. Mais en même temps, beaucoup moins fragile. C'est-à-dire que
il y aura des pneus de secours. Oui. C'est-à-dire que le dollar va rester, mettons, les quatre roues de la voiture, mais il y aura, pour tout le monde, il y aura un pneu de rechange dans le coffre. Quoi. Qui ne sera pas en dollars et où passera. C'est une métaphore. Voilà, j'y pensais, oui, mais c'est à peu près ça. Donc, voilà, donc on est en train d'assister à ce changement de paradigme, de système d'exploitation. Et ça ne fait que commencer, et ça va avoir des conséquences très importantes, dont on a beaucoup parlé avec le développement de cette zone en Asie, le développement de l'Inde et tout ça. Donc il va se passer à avoir des conséquences énormes, parce que le dollar, dans le fond, contraignait la croissance de pays qui étaient en particulier gros importateurs de pétrole. Chez Soudesh et Alicia, les cartons sont omniprésents. Le couple de cadres supérieurs a tout vendu pour déménager en Nouvelle-Zélande. Un nouveau départ influencé par la situation économique. Les dysfonctionnements du pays, les coupures d'électricité, l'augmentation du prix de l'essence, on ne peut plus prévoir où vont les choses. Et avec toute cette incertitude, on ne peut pas risquer d'attendre que ça empire. Peut-être que ça va s'améliorer, mais si ça ne s'améliore pas, qu'est-ce qu'on fait ? Partir avant de ne plus en avoir les moyens, c'est ce qui pousse ces derniers mois de plus en plus de Sud-Africains à sauter le pas, constate ce conseiller en immigration. Les coupures de courant qui s'aggravent de jour en jour sont souvent un élément déclencheur. Les gens sont maintenant face à un choix. Est-ce qu'ils vont dépenser 350 à 500 000 rands en panneaux solaires sur leur maison pour pouvoir vivre et travailler, ou alors ils pourraient utiliser cet argent pour émigrer à l'étranger. À Johannesburg, particulièrement affecté par les départs, les panneaux à vendre fleurissent. À l'ère du télétravail, la capitale économique du pays est victime de ces infrastructures déliquescentes. On voit de plus en plus de gens partir, soit sur la côte, soit pour émigrer. Je dirais que ça représente 75% de mes clients. La plupart des Sud-Africains n'ont pas les moyens de partir. Alors que le rand a atteint un niveau historiquement bas, faisant craindre une aggravation de l'inflation, ils se préparent cet hiver à endurer 6 à 12 heures de coupure de courant quotidienne. Un boulet pour l'économie. Notre propre banque centrale a évoqué que la croissance allait probablement être amputée de 2% à cause des délestages. Il y a un vrai risque que l'économie sud-africaine se contracte cette année. Lebone Segolodi est un jeune entrepreneur. Il vient de lancer une application d'aide scolaire pour les lycéens. Sa très jeune start-up est affectée par la chute du rand et les coupures électriques, mais il veut rester optimiste. C'est dans les gènes de l'Afrique du Sud de toujours surmonter les défis. C'est ce qui fait la particularité des Sud-Africains. Alors il faut que l'Afrique du Sud fonctionne. Et ça ne dépend que de nous de faire en sorte que ça marche. La monnaie nationale est tombée à 19,5 rand face au dollar, alors que près d'un quart des Sud-Africains vivent dans l'extrême pauvreté. Le général Bourane est à la manœuvre. C'est le sens que l'on peut donner à ces images diffusées par l'armée soudanaise ce mercredi. On y voit le chef de l'armée en treillis militaire. Il est en visite au quartier général situé au centre de Khartoum, accueilli chaleureusement par les soldats qu'il peut rencontrer. Abdel Fattah al-Bourhan veut incarner la légitimité du pouvoir, car après plus d'un mois de combats intenses contre son adjoint, devenu un ennemi mortel, la suprématie de ses forces n'est pas évidente. Ce vendredi, alors que les combats faisaient encore rage à Khartoum et au Darfour, l'adjoint en question, le général Daglo Di Emeti, a été déchu de son poste de vice-président du Conseil de souveraineté. Le décret constitutionnel a été publié par le général Bourane. Le nouveau titulaire du poste est un autre chef de guerre, Malik Agar. Ancien rebelle avec son groupe SPLA Nord, il avait fait la paix avec Khartoum en 2020. Cette modification de l'organigramme ne devrait pas changer grand-chose à la situation sur le terrain. Et les perspectives d'apaisement sont limitées. À Jeddah, en Arabie Saoudite, les deux parties ont envoyé des délégués en marge du sommet de la Ligue arabe. Mais selon des experts, les deux généraux ont fait le choix d'une guerre longue plutôt que des concessions. Est-ce que vous avez été surpris? Parce qu'on nous promettait une défaite cuisante de Recep Tayyip Erdogan, donc le président sortant. Finalement, il arrive en tête avec 49,5% des voix, devant la coalition avec Kemal Kılıçdaroğlu. Et on parlera également un peu après du troisième homme, Sinan Ogan. Alors, pourquoi cette défaite était-elle prévue plutôt dans les médias occidentaux? Et puis surtout, pourquoi ce revers cuisant? Alors, les médias occidentaux, vecteurs du politiquement correct, nous ont habitués, à nous qui sommes des analystes non politiquement corrects, nous ont habitués à leur leitmotiv anti-Poutine, anti-Erdogan,
et notamment, et donc ils prennent toujours leurs désirs pour des réalités, et ils voulaient la défaite d'Erdogan, et comme ils la voulaient, ils l'annonçaient. N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, merci.